Hello. Oh, mais on est live. Nous sommes live. Pour le moment, on ne se voit pas nous-mêmes. Non, non, on ne se voit pas nous-mêmes. Ah putain, là ça y est, on se voit et ça va faire un effet Larsen, des meilleurs effets. Voilà. Mais heureusement, nos auditeurs adorent les incidents du direct. Exactement. On a les meilleurs auditeurs au monde. Tout à fait. Salut les criticos. On a décidé de vous appeler les criticos parce que vous êtes tellement critiqués. Ok. On m'a demandé de meubler. Est-ce que ça se sent? Est-ce que ça ne se voit pas? Mais non. Donc si jamais, a priori, vous n'êtes pas très nombreux pour le moment, mais si jamais vous êtes... Mais d'autant de meilleure qualité. Hasard... Ah bah si, mais voilà, il y a quelqu'un. J'allais dire, si jamais quelqu'un nous écoute, qu'il nous fasse signe, eh bien, bonjour Yassir. Bah, du coup... bienvenue sur le Live Critique. Bienvenue sur le Live Critique. Et maintenant qu'on sait qu'on nous écoute... si on se présentait. Je pense qu'on va pouvoir... on peut se présenter, mais puis oui. Après on commence. Ce soir, donc, du podcast H Critique, il y a David Xil, notre ingénieur son de génie. Merci. Désolé, il y a juste moi. Je suis légèrement égocentrique. Et il n'y a personne, mon ami imaginaire. Mais non, tous les autres membres. Il y a Adrien d'H Critique, Adrien avec qui j'ai fait des podcasts en dehors d'H Critique, entre autres dans un podcast qui s'appelle 12 minutes 2. Très bon podcast. On a fait des trucs sur Newton, entre autres. L'histoire. Sur la vie secrète de Newton en tant qu'espion. Exactement. Qui était très très cool. Et essentiellement Adrien d'H Critique qui est aussi venu dans un autre podcast qui s'appelle Spoiler Alert. On a intervenu à deux. Et puis tu as aussi, en tant que podcast, tu es aussi intervenu dans Basincast, il me semble. Très possible. Voilà. J'étais un petit peu ivre, je ne me souviens pas de toute cette époque-là. Il me manque quelques années. On me dit des choses des fois, je dis oui. Bref, donc aujourd'hui, on va vous parler de moralisation de la vie politique et donc de scandale de financement. Exactement. Dans les années 70 à 90, mais on va surtout faire les années 80 et 90 essentiellement. Je vais commencer par faire un petit bilan en fait de les partis politiques. Comment ils sont censés se financer jusque dans les années 70-80 officiellement? Comment ils se finançaient effectivement à une époque? Qu'est-ce qui a changé? Quelles ont été les évolutions tendancielles qui ont amené ces changements? Ensuite... Oui, je te laisse continuer. Ouais. Ensuite, je ferai une petite parenthèse, c'est un peu gratuit, mais je vais parler du SAC, le service d'action civique, la milice gaulliste qui mélangeait allègrement criminalité, cassage de gueule de syndicalistes et braquage de banque, tout ça au nom de la lutte contre le communisme et de protection du général. Des idéalistes qui n'étaient rien d'autre qu'un petit service d'ordre. Un petit service d'ordre où on a retrouvé des gens brillants et à l'honnêteté absolument inattaquables comme Jacques Foccart, l'inventeur de la France-Afrique. Charles Pasqua. Cet homme. L'honnêteté fait homme. L'honnêteté fait homme, exactement. Et puis on enchaînera sur les premières lois de financement de la vie politique. Et ce qui a amené à ces premières lois, on parlera entre autres pas mal de l'affaire Urba. Oui, et de la succession de lois qui sont très importantes en fait. Il y en a eu plusieurs en effet. Et puis on reviendra sur quelques autres scandales qui ont touché plutôt la droite, en particulier... Alors on précise la droite parce qu'en fait, l'affaire Urba, ça touche violemment le Parti Socialiste. Tout à fait. Et on voulait vraiment très très violemment, et c'est assez sale, hein, dis-je avec une totale impartialité. Et donc on voulait aussi équilibrer et montrer le oui, et puis on voulait tracer un panorama voilà, complet, on peut pas... etc. Et si on ouvre qu'un œil, on voit que la moitié de l'histoire. Exactement. Et on parlera entre autres de l'affaire Boulin. L'affaire Boulin, je ferai une parenthèse sur l'affaire Boulin. Voilà. Mais beaucoup de spéculation de ma part, hein, m'en vouliez pas. Voilà, et puis on conclura par un c'est qui a la grosse affaire. Non, on conclura par notre avis global, on discutera un petit peu voilà. De tout ça. Mais avant d'entamer ce live d'H Critique, petite update Xilcast, il y a actuellement 4 vidéos qui arrivent, 6 qui ont été enregistrées, il y en a 2 qui sont en train d'être montées et ça va être enquêtes sur l'histoire du racisme qui sont en cours de montage et qui devraient arriver bientôt. Je préfère pas donner d'intervalle de temps parce que généralement je me gourre. Il se gourre. Ouais. Et pour ce qui est d'âge critique, on reprend le 4 septembre avec une émission traditionnelle qui ne sera pas en live. Il va sans doute y avoir un petit peu moins de live du style de ce qu'on a fait l'année dernière cette année, mais par contre on va essayer, si ça vous branche, de multiplier ce genre de petits formats légers, sans se prendre la tête, avec un sujet bien fun, avec un seul sujet un petit peu moins écrit, avec potentiellement de l'interaction. Si jamais il y a des questions, n'hésitez pas. Bon, là, si on a des spectateurs. Exactement, si on a des spectateurs. Là on est en plein mois d'août, meilleurs donc, spectateurs. Ouais, oui, exactement. Je vise le... donc je sais pas trop si moi j'avais pensé vous faire notre podcast routine, tuto make-up, mais bon, paraît-il que ça n'a pas été. Voilà, mais bon, du coup, lançons-nous dans le cœur de l'action. Donc je pense que, Adrien, tu voulais nous parler du financement traditionnel des partis politiques. Moi j'imagine Jean-Pierre Pernaut. Vraiment, on attend vos interventions, on répondra à vos questions, donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Enfin, on va le répéter souvent pendant le podcast. Oui, carrément, hein, c'est le principe du live, et c'est ce qui est cool dans le live, c'est de pouvoir interagir avec vous et qu'on essaye de répondre au mieux de nos capacités, bien sûr, de vos questions. Ou... n'hésitez pas non plus à balancer des compléments d'informations, nous corriger si jamais on dit des conneries. Donc, un parti politique, qu'est-ce que c'est ? C'est une association de gens réunis autour globalement des mêmes idées politiques, qui est réunie ensemble pour avancer la propagation de ces idées. Ensuite, du coup, pour fournir un soutien aux candidats élus, pour... voilà. Comment c'est censé se financer ? Jusqu'avant les lois de financement des partis politiques en France dans les années 88, dans le monde des bisounours, le parti politique est censé se financer avec les cotisations de ses adhérents, principalement. Il y a d'autres méthodes totalement légitimes, la vente de journaux. En fait, il y avait beaucoup plus de journaux quotidiens jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Les partis politiques avaient leurs propres journaux avant Internet. Les partis politiques avaient leurs propres journaux. Je veux dire, l'Humanité est encore supposée être le journal du Parti communiste, non ? Je ne sais pas si c'est officiellement le journal du Parti communiste. Je pense que ça a maintenant ça a cherché à brasser un peu plus large. Oui, mais en tout cas, mais historiquement, les ventes de ces journaux, y avait les gens achetaient plusieurs quotidiens par jour et du coup ça fournissait un financement qui était raisonnable. Il y avait des souscriptions quand il y avait des besoins spécifiques. Je ne sais pas. D'ailleurs, ça a été encore récemment fait quand le fameux Sarkoton. Oui, tout à fait. Pour rembourser les les dates pas, me semble-t-il, tout à fait légal d'ailleurs. Ça s'est révélé comme étant illégal et pour camoufler des dépenses illégales, mais c'était un peu un truc... On organisait des banquets aussi, on organisait tout le temps des banquets au 19e siècle. Il y avait tout le temps des banquets pour financer telle cause. C'était déjà d'ailleurs du détournement de fonds souvent. Ça ferait un sujet assez intéressant si quelqu'un me le demande. Il y a encore les ventes de fleurs. Tiens, le muguet du Parti communiste le 1er mai. Bon, d'accord, c'est difficile maintenant de trouver un militant communiste et il y a souvent généralement des gens un peu louches qui te vendent le muguet, mais ça continue. Donc... et bien sûr, ensuite on arrive aux trucs qui étaient admis, légaux et les donations venues d'entreprises ou de personnes morales par exemple, qui d'ailleurs sont encore légales aux États-Unis, encadrées. Les donations venues d'entreprises qui, du coup, on a la partie légale quand une entreprise décide, son dirigeant, de donner, qui était légal, hein, maintenant c'est totalement illégal, mais de donner à un tel candidat qui défend des idées qui sont favorables à l'entreprise. C'est légal, c'est au compte de l'entreprise. Par contre, quand l'entreprise veut donner de l'argent, mais que c'est juste le dirigeant, par exemple, et qui commence à détourner des fonds de l'entreprise, là, ça devient illégal sans qu'il y ait besoin de loi spécifique contre. Ça devient de l'abus de biens sociaux, de la corruption. Ou par exemple, je sais pas, imaginons qu'une entreprise décide de donner de l'argent à un parti en échange du fait que un maire du parti lui offre un marché public. Absolument. Imagination folle. Là, on arrive dans toutes les histoires de commissions, d'attributions, de corruption. Est-ce qu'on m'entend? Oui, tout à fait. De corruption. Et ce qui arrivait, ce qui est arrivé aussi, les donations venues de pays étrangers. Bah, jusque dans les années 50-60, il y avait la CIA qui arrosait allègrement tout, c'est-à-dire la diplomatie américaine, qui arrosait allègrement en Europe tout ce qui pouvait lutter contre le communisme. Il y a entre autres l'histoire qui est relativement connue, c'est le split entre la CGT et FO, oui. Qui est une branche oui. de la CGT qui est apparue exactement dans ce contexte et qui a été financée exactement comme ça. Absolument. Qui était, mais la Russie aussi finançait allègrement les partis communistes et les guérillas qui pouvaient donner une chance de lutter contre le capitalisme. Je ne suis pas en train de dire que tout se vaut, mais ça faisait partie de la vie politique. Mmh. Et ensuite, la quantité majeure de sous qui arrivait en France, les donations venues de partis africains, de pays africains. Généralement d'anciennes colonies. Généralement d'anciennes colonies, les valises de billets portées par Jacques Foccart, Robert Bourgi qui a revendiqué, dont on se souvient pour l'affaire des costumes pour les élections présidentielles précédentes, mais pourquoi c'est un homme si louche et comme ça? C'est parce qu'il portait des valises venues d'Afrique et les a déposées, il a revendiqué les avoir déposées sur le bureau de Jacques Chirac. La fameuse France-Afrique avec laquelle la totalité des... politiciens veulent terminer et disent généralement à chaque fois qu'il y a un changement de majorité, il y a de grandes déclarations en mode cette fois-ci il n'y aura pas de Monsieur France-Afrique et tout ça c'est du passé. Bon, ceci dit, je pense que ça s'est quand même maintenant, pas mal amélioré. Un peu terminé quand même, oui. Peut-être d'ailleurs pas particulièrement grâce à la France, peut-être aussi parce que de l'autre côté, certains dirigeants africains sont peut-être moins motivés pour gentiment financer la politique française. Oui, maintenant ça se fait par maintenant quand ça se fait par rétrocommission, contrat d'armement, ce genre de choses. Et enfin un dernier énorme source de financement qui en fait était pour un parti au pouvoir. Pendant très longtemps, ils ont tapé dans ce qu'on appelait les fonds secrets. Alors, les fonds secrets, qu'est-ce que c'est? C'était, on supposait que les ministères, l'Élysée, pour se financer, n'avaient pas à subir de surveillance de qui que ce soit. Donc, qu'ils avaient beaucoup d'activités secondaires qui nécessitaient un peu de souplesse. Je ne suis pas en train de le défendre. Hein. Et donc, les ministères de l'Intérieur, l'Élysée, recevaient directement depuis la Banque de France de l'argent en liquide, des énormes valises de billets pour lesquelles ils n'avaient pas à justifier leur utilisation. C'est en fait ce que beaucoup... Ensuite, c'était très pratique pour tenter d'excuser quand un homme politique se faisait prendre avec une grosse somme en liquide chez lui, en disant « Ah bah désolé, c'était juste les fonds secrets ». Et on pouvait arguer le secret défense et dire que c'est... Claude Guéant, encore récemment, a dit « Bah désolé, j'ai rien dépensé pendant 10 ans de mon compte en banque parce que je tapais dans les fonds secrets ». Sachant qu'à son époque, c'était beaucoup plus encadré. Les fonds secrets, ils étaient juste censés rémunérer des indices de la police, quoi. Une affaire relativement rigolote, rigolote, non, c'est pas vraiment le mot, mais qui a éclaté récemment, c'est Raymond Barre en 81. Donc, on s'est rendu compte que Raymond Barre apparemment avait de l'argent placé en Suisse, si je dis pas de bêtises, dans des quantités assez importantes. Paraît-il, un héritage familial. Ça aussi, c'est une très bonne excuse, l'héritage familial. L'héritage familial, ouais. Mais en tout cas, des sommes qui semblaient disproportionnées par rapport à ce qu'il avait gagné durant la totalité de sa vie. Et le Canard Enchaîné a révélé à cette occasion une information, une rumeur, je ne pense pas que ce soit tout à fait vérifié, disant que les hommes de Giscard et de Raymond Barre, au moment de l'alternance, ont littéralement vidé l'intégralité des fonds secrets et se sont barrés avec plusieurs millions de francs en liquide à l'époque, ce qui donne aussi une petite idée de l'ambiance qui pouvait régner à cette époque. Oui. C'était quand même quelque chose, l'alternance en 80. Dans la rubrique de, dans la rubrique de vidage de fonds secrets en urgence, il y a eu, et d'ailleurs c'était juste avant la réforme qui a suivi, au moment de la mise en cohabitation de François Mitterrand par Jacques Chirac, non ? L'Élysée a eu très peur, vu qu'en fait les fonds secrets venaient d'abord de Matignon. L'Élysée a eu peur que Matignon coupe les vivres à l'Élysée. Et du coup, l'Élysée, juste avant, a vidé tous les fonds secrets possibles et imaginables, histoire d'avoir un budget de fonctionnement d'avance. Et c'est peu de temps après qu'il y a eu une des premières réformes de ces fonds secrets pour qu'il y ait un poil de traçabilité quand même à force. Maintenant, ça va un peu mieux. Et donc, pourquoi il y a eu besoin, au fur et à mesure, de faire appel à... de changer un peu les circuits d'approvisionnement? Bah parce qu'en fait, tout au long du XXe siècle, on va assister à une réduction tendancielle du nombre d'adhérents aux partis politiques. Surtout quand tu regardes en par milliers d'habitants. Et ça, ça touche tous les acteurs de la vie publique, que ce soit donc les partis politiques, les syndicats. On voit une baisse assez forte de... Et donc, les campagnes électorales à côté, dans le même temps, doivent couvrir plus de territoires, toucher plus de gens. On invente des... Il faut passer à la radio, il faut passer à la télé, il faut être dans des journaux, avoir des pubs plus chères, il faut avoir des voitures pour se déplacer. On est donc face à une réduction des moyens légitimes de financement, une absence totale d'encadrement. Et bah, comme toujours dans ce genre de circonstances, le milieu politique s'est auto-organisé pour assurer son financement. Alors ça a consisté en quoi cette auto-organisation? Eh bien c'est un peu ce dont on va parler, c'est le résultat, ça va être toutes les affaires politico-financières de la deuxième moitié du XXe siècle. Une des choses qui se sont... et le truc sur lequel je voulais faire une parenthèse justement, est-ce qu'il y a des questions jusque-là? J'en vois une petite pause question. On va peut-être faire une petite pause question. C'est plus une réaction qu'une question, je pense. Ouais. Enfin, si Claude Guéant donnait des infos sur les malversations de son parti, ça peut être considéré comme être un indice et donc justifier le financement par fonds secrets. Alors le problème, c'est que Claude Guéant n'a jamais parlé. C'est d'ailleurs très impressionnant. C'est très rigolo parce que les écoutes téléphoniques judiciaires de Claude Guéant sont sorties. Avec sa fille, avec ses enfants. Tous ses enfants lui ont dit « Mais arrête, faut dénoncer ». Et lui, il a dit « Oh ». Oui, mais il n'a jamais parlé. Il n'a jamais parlé et en même temps, il a des conversations qui sont, à mon sens, extrêmement compromettantes justement avec ses enfants, où il dit « Putain, c'est tous des connards. Moi, il y a des moments, je suis limite de dire tout ce que je sais. Et alors là, si jamais vraiment je parlais, ça… Ouais. » Ah bah, on parle de Kadhafi, on parle de 50 millions minimum, c'est grave hein, ce qui saurait. Oui, c'est clair. Mais on y reviendra peut-être plus tard sur Kadhafi. Mais donc, une des choses dans cette transformation au début de la 5e République, c'est le service d'action civique. Donc, le général de Gaulle est arrivé au pouvoir sans parti, avec une coalition, avec un parti tout neuf monté derrière, dans lequel il avait organisé un petit service d'ordre avec ses amis principalement issus de la résistance. Et la résistance, en fait, pendant la guerre, il y a eu beaucoup d'effaçage des frontières. C'est-à-dire, on se retrouvait tous à gauche, à droite, autour du général, pour combattre le nazisme. Et on effaçait aussi un poil les frontières avec le milieu. Le milieu, tu veux dire le milieu politique, c'est ça? Pas exactement. La criminalité, c'est là que se sont faites des amitiés, éternelles, genre Gaston Deferre, maire de Marseille, ouais. Et comment il s'appelle, le criminel qui a inondé l'Amérique avec l'héroïne la French Connection, de l'héroïne pure à 98% qu'on n'a pas retrouvé après. Son nom m'échappe et je ne l'ai pas noté. Mais on en parlait hier, mais c'est dommage. Mais si nos auditeurs pourront peut-être nous en parler. Et donc, le SAC, c'est littéralement une milice privée chargée de fournir le soutien logistique au mouvement politique gaulliste. Donc, je croyais que Charles Pasqua avait dit que c'était un petit service d'ordre classique comme tous les partis en avaient. Ben, c'est un service d'ordre qu'on peut louer pour aller assurer la sécurité, pour aller casser la gueule à des syndicalistes au sortir des usines Renault dans le 92. C'est un service d'ordre qui peut aller faire le coup de main. Faut savoir que... à l'époque, les campagnes politiques étaient beaucoup plus violentes qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on dit que oh là là, la vie politique est violente, on s'insulte. Mais la campagne de 68, il y a eu des morts, il y a eu des gens, battus, des couleurs d'affiches qu'on a défoncées, il y a eu un mort par balle, il me semble. Donc, il y avait, j'ai pas envie de dire, je ne suis pas en train de le justifier, mais il y avait un besoin pour accompagner le mouvement par des barbouzeries de ce genre. Et donc, il n'y a pas vraiment eu de condamnation, mais il y avait une tolérance légale. Il y avait une tolérance légale pour pas mal de mafieux, de malfrats, qui obtenaient protection policière et en échange d'être au service du gaullisme. Il y a pas mal genre de rumeurs qui circulent sur des braquages qui auraient servi à financer des campagnes du RPR. Et exactement, de gangsters qui gardaient une partie du butin et recyclaient l'autre pour financer des campagnes du RPR. Mmh. Il y a eu... Et donc ça... Après, on est généralement sur des trucs qui n'ont jamais été parfaitement jugés, jamais été parfaitement résolus. En fait, il y avait une énorme protection. Sauf quelques-unes, comme l'affaire du massacre d'Oriol, je pense. En fait, c'est la fin du SAC. Donc, la protection politique du SAC commençait à s'épuiser. Il y a un moment, ça commençait à se savoir, la lutte contre le communisme avait beau dos, et protéger des malfrats sous ce prétexte-là commençait à vraiment passer de moins en moins. Du coup, les malfrats en question commençaient à se sentir de plus en plus parano. Il y a eu une épidémie de morts accidentelles dans ce milieu-là, de malfrats rentrant chez eux et ayant un accident de voiture. L'accident de la route a été une des principales causes de mort de malfrats liés au SAC, ayant des ambitions de parler à des juges pendant cette période-là. Très très dangereux, le platane français. Ah, les platanes. Les platanes, très 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 dangereux. Et donc... Peu après l'alternance avec l'alternance de 81 avec le Parti Socialiste, il y a eu du coup la fameuse affaire du massacre d'Oriol où Adrien, tu vas m'en dire j'arrive pas à lire là davantage. Alors Adrien, en fait, on va faire une mini pause parce qu'on est en train d'essayer de lire vos commentaires en même temps, mais on n'y arrive pas parce qu'on n'est pas très doué. Non. Hop, voilà, tu vas pouvoir le... Antoine Guérini, merci. Oui, merci Yassir pour la French Connection. La tuerie d'Oriol, c'est la fin de la fin du SAC. Disons peut-être pour le reste des auditeurs que Antoine Guérini est donc la personne dont on cherchait le nom tout à l'heure, qui est un mafieux marseillais relativement connu. Le roi du crime marseillais, le parrain de la pègre qui s'était placé en arbitre de tous les autres criminels, qui a régné sur le crime là-bas et qui était un grand ami de Gaston Deferre. Voilà. Bref, reprenons. Donc on en était à la tuerie d'Oriol et Exactement. Au SAC, peu après 81, peu après l'alternance. Donc un malfrat du SAC où une rumeur disait qu'il allait se ranger et dénoncer ses camarades. Un commando est parti lui apprendre la vie et lui, sa femme et ses enfants ont été massacrés. C'est assez typique de la violence désordonnée d'une organisation criminelle où plus personne ne fait confiance à personne, en fait. Cette tuerie a été tellement horrible que ça a mené à une enquête parlementaire et la dissolution officielle du SAC par Mitterrand en 82. Et ça fait partie donc des facteurs du mélange des genres politiques, financières qui ont mené à... ces lois qui ont encadré le financement électoral, mais ce n'est pas la cause première de la loi. C'est pas le SAC qui va causer étrangement la première loi de financement des partis politiques. Enfin, le SAC, c'était allé tellement loin quelque part que ça apparaissait comme un épiphénomène ou un problème en soi qui était pas nécessairement lié au reste, qui n'était pas si systémique que ça. Non, ça va être l'affaire Luchaire. Alors, l'affaire Luchaire, on l'a complètement oublié. C'est une affaire de vente d'armes à l'Iran en 82-86. Un grand classique, la vente d'armes. À l'étranger. Un grand classique, tout à fait. Donc, par le gouvernement socialiste, affaire qui a été l'occasion de toucher des rétrocommissions et vente d'armes qui était en plus illégale à ce moment-là, dans la mesure où l'Iran était sous un embargo. À ce niveau-là. Bon, Mitterrand va nier et va plus ou moins expliquer que tout ça a été fait à l'insu de son plein gré, et l'affaire va rapidement se heurter au secret défense, mais ça va pas mal choquer l'opinion publique. Méthode qui va arriver dans beaucoup d'histoires de vente d'armes à rétrocommission. Hein, carrément. Faire lever le secret défense dans des histoires de corruption Karachi. Comme ça, c'est le frégate de Taïwan en France. Mais du coup, Mitterrand va essayer de retourner le piège contre Chirac et va mettre au défi le gouvernement, donc Chirac, vu qu'à cette époque on est en cohabitation, de mettre en place des lois pour réguler tout ça, réguler le fonctionnement de la vie politique. Et a priori, Mitterrand fait ça parce que, bon, le RPR, le SAC, tout ça, disons que c'est pas le parti politique qui a la réputation d'être le plus clean à ce niveau. Sachant qu'il ne le présente pas comme mettre en défi, mais il ordonne à son Premier ministre. Oui. C'est le grand humour de Mitterrand, il est très fort pour ça. Tout à fait. Giscard et Raymond Barre vont sauter sur l'occasion, surtout Raymond Barre, je crois, pour mettre en difficulté Chirac, donc ça c'est la guerre des droites classique, et vont abonder dans le sens de Mitterrand et demander une loi de moralisation. Donc il va y avoir, c'est donc Chirac qui va mettre en place Jacques Chirac, champion de la probité financière politique. Exactement, HLM de la ville de Paris. Donc Chirac va faire voter la première loi de financement des partis politiques le 11 mars 1988, la veille de la présidentielle de 88. Et qu'est-ce qu'il va y avoir dans cette loi? Il va y avoir un financement des partis politiques qui va être proportionnel au nombre de députés qu'ils ont à l'Assemblée nationale, un mécanisme de remboursement des frais de campagne aux législatives et aux sénatoriales, et apparemment aussi lors de la présidentielle. Alors là, pour le coup... Faudra vérifier. On a un tout petit doute. J'ai un mini doute. J'ai lu la loi du 11 mars 88. Elle est très simple, elle est très rapide à lire, elle tient en 3 pages. Mais ceci n'est pas présent directement dans la loi, mais j'imagine que c'est dans un amendement. Enfin, en tout cas, tous les feedbacks, enfin, le journaliste qui parle de ça explique que ça réguler aussi la campagne présidentielle. Et mais il y a un micro-doute. Mais j'ai un micro-doute, j'ai pas retrouvé la source à ce niveau-là. Ça va plafonner ces mêmes élections, donc bon, pareil, j'ai un micro-doute pour la présidentielle, mais a priori, c'est ça. Et surtout, petite pichonnette de Chirac à direction de Mitterrand, ils vont imposer pour les élections présidentielles de présenter une déclaration de patrimoine en entrée et une déclaration de patrimoine en sortie pour montrer que je n'étais pas enrichi pendant, avec dans l'idée que Mitterrand avait sûrement de l'argent caché quelque part. Voilà. Petite chenette sympathique. Suivent après cette loi les présidentielles et les législatives de 88, premières élections françaises propres. Totalement propres, encadrées. Ouais, je veux dire, il y a une loi. Maintenant, c'est forcément propre. C'est forcément clean. Comme tout ça, et comme maintenant tout est propre et que tous ces problèmes de financement sont maintenant derrière les partis politiques, l'Assemblée nationale, nouvellement élue, va voter une loi générale d'amnistie liée au financement des partis et des campagnes antérieures au 11 mars 88. Normal, vu que à l'époque, c'était impossible de financer entre guillemets, éthiquement un parti politique, vu qu'il n'y avait pas de système de financement. Donc maintenant qu'on a un système de financement, on pardonne tout et on avance. Logique. Bon. Voilà. Logique. C'est là que va arriver l'affaire SAE, qui est une affaire politico-financière qui avait commencé un petit peu avant, elle avait commencé en 86, elle n'avait pas fait énormément de bruit sur le moment. De base, c'est pas une affaire très très grave dans la mesure où c'est une affaire de fausse facture de la SAE, donc qui est... maintenant Eiffage. Voilà, exactement, une entreprise de construction. Vous noterez qu'il y a beaucoup de noms qui vont ressortir, qui existent encore. Hein. En France, on garde les choses qui marchent. Ceci dit, ils ont changé de nom, je sais pas pourquoi. Je me demande. Il y a aussi beaucoup de changements de nom en France. Bref, Eiffage a arrosé pas mal d'élus du sud de la France. Alors, plutôt des élus de droite, mais aussi des dissidents socialistes, des gens du RPR, de l'UDF, bon, bref. Mais... le truc, c'est que l'affaire va prendre un nouvel aspect quand, dans le cadre de cette affaire, il va y avoir une perquisition qui va avoir lieu dans les locaux d'Urba. Urba, c'est un bureau d'études qui vit essentiellement en percevant des commissions sur des marchés publics. C'est genre de société de conseil, rien de plus normal. Le truc, c'est que le 17 avril 89, quand la police va perquisitionner dans les locaux d'Urba, dans le cadre donc de l'affaire Sormae, ils vont y découvrir les cahiers de Joseph Delcroix. Alors, les cahiers de Joseph Delcroix, je ne sais pas si, si vous avez aimé les cahiers, les carnets du général Rondeau. Ah, c'est une grande tradition de tout noter tes saloperies dans un carnet en France. Ouais, quand t'es agent secret ou comptable occulte, tu notes tout dans des carnets. Et va y avoir des choses assez énormes dans ces carnets. Alors, je vous lis des petits morceaux de la note du 3 février 87. Alors, ça commence gentiment. Trésorerie, bonne recette de ce matin. Améliorant la trésorerie qui se présentait critique en fin de semaine dernière. Ça va encore. Hein. Ça va. Des remarques un peu plus étranges suivent. Congrès PS va coûter cher. Comme dit GM, heureusement qu'on a le congrès de Lille. Sinon, on ne saurait pas comment dépenser. Maintenant, faut penser au présidentiel. Ça commence à poser plus de questions, là. GM, c'est Georges Beauchamp, l'un des fidèles et proches collaborateurs de François Mitterrand. Et à ce moment-là, la trésorerie atteint 6 millions de francs. 1 million d'euros. Les carnets ces carnets et l'enquête qui va suivre vont montrer qu'Urba sert essentiellement de mécanisme de financement occulte du Parti Socialiste, en percevant des commissions qui n'ont pas lieu d'être sur des marchés publics et en reversant des rétrocommissions au Parti Socialiste. Donc ils obtiennent ces commissions via des maires PS, en gros, sur des marchés publics, et ils reversent des rétrocommissions au PS qui en tirent entre 40 et 45 millions de francs par an. C'est surtout en comptant à l'époque. Hein, millions d'euros. Et ouais, ça fait de quoi bien vivre. C'est assez énorme. Ça organise de beaux congrès. Ouais. Et puis, tout ça va aussi permettre de mieux comprendre comment a été financée la campagne de François Mitterrand de 88. Vous savez, celle qui était propre. Voilà. Très propre. Donc, on se rend compte qu'en fait, il y avait deux comptabilités. Il y avait d'un côté celle du candidat Mitterrand en personne, limitée à 100 millions de francs par la toute nouvelle loi de financement des partis politiques. Cette comptabilité-là, elle est relativement clean. Alors, il y a un petit peu de suspicion dans la mesure où elle s'arrête quand même vraiment très très proche de la limite. Je crois que c'est 99,8 millions de francs. C'est un très beau comptable, c'est tout. Voilà, bon, c'est un petit peu suspect. Après, c'était... C'est pareil à droite, non? Oui, c'est exactement la même chose à droite. Mais bon, en tout cas, cette campagne-là, cette comptabilité-là, elle est relativement clean et Urba n'y contribue presque pas. Enfin, il donne 50 000 francs, c'est pas grand-chose. Mais de l'autre côté, il y a la comptabilité du Parti Socialiste, celle qui concerne par exemple les déplacements des caciques du Parti Socialiste, Lionel Jospin, Emmanueli, Laurent Fabius. Ils ont imputé tout ce qu'ils ont pu, ils l'ont sorti de la campagne, ils l'ont fait payer par le Parti Socialiste. Exactement, et là, cette campagne-là, Urba y contribue pour 25 millions de francs. Ça fait qu'un petit déplacement de 25%, honnêtement, c'est pas mal. Ouais, on a vu pire. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a fait le double. Très beau double d'ailleurs. Pygmalion, Sarkozy. Et il a tenté de faire porter le chapeau à Jean-François Copé, ça c'était magnifique. Yep, bref. Est-ce que... donc on arrive du coup avec l'affaire Urba. Comment réagit le gouvernement? Le gouvernement, ça va énormément le gêner. Alors, il va dans un premier temps tenter de réorienter le truc vers plutôt la SORMAE, SAE, le EFAGE, vous vous souvenez, qui gênait pas grand monde au final, ou qui gênait plus la droite que la gauche. Mais bon, ça va pas vraiment prendre. La justice en tête, surtout que bon, on vient de voter une nouvelle loi de financement des partis politiques, donc il faut que ce soit clean. Maintenant, on a amnistié les gens, faudrait quand même pas que ça ait servi à couvrir des trucs. Ouais, c'était un peu le deal, quoi. Oui. Et du coup, la gauche va être un petit peu acculée avec cette affaire qui la gêne vraiment beaucoup, et va se dire qu'il n'y a pas d'autre choix que de faire voter une seconde loi de financement des partis politiques, en 90, par Michel Rocard. Alors, il va y avoir des petites modifications. Le plafonnement va maintenant concerner tous les types d'élections. Le financement public va plus être réservé aux formations présentes au Parlement. Ça va être un peu plus large. Cette loi va aussi permettre aux partis de bénéficier de financement privé dans une limite de 500 000 francs. Oui. et les personnes... Voilà, une personne morale. Une personne morale. Pardon, des financements privés et une personne... C'est-à-dire... Personne morale, c'est une entreprise. Alors, un individu va être limité à 4 500 € max par individu et par an. On a gardé un peu le même principe. Euros, j'ai traduit en euros. Et 75 000 € par entreprise. Okay, c'était en francs. Hein. Donc 500 000 francs. 500 000 francs. Alors, juste pour faire remarquer... C'est bien d'avoir... Bon, déjà, c'est ignoble qu'une entreprise puisse agir sur le débat public avec de l'argent comme cette façon-là. Mais bon, c'est déjà un pas en avant maintenant, c'est limité. Par contre, imaginons qu'on parle d'une immense entreprise qui a 60 millions... qui a une dizaine de filiales. Eh ben oui, chaque filiale a le droit de donner 75 000 € chacune. Donc c'était quand même vraiment très très facile à contourner. C'est clair. En plus, à l'époque, c'était le moment où les paradis fiscaux, ce genre de choses se développaient. Donc ça pouvait être des filiales qui n'avaient aucune trace, aucun lien légal trouvable entre leur maître. Donc ça permettait encore quand même pas mal de choses sales. Mais ça va surtout s'accompagner... Vu que maintenant on a fait une loi de moralisation pour régler les derniers problèmes, bah si on réamnistiait, bah ouais, je veux dire, maintenant c'est vraiment clean. Donc il va y avoir une deuxième loi d'amnistie générale de la classe politique qui va être votée en 90 suite à cette affaire et qui va permettre d'enterrer l'affaire Urba. Oui. Et d'autres choses. Plein d'autres petites affaires de l'époque. Il y avait un ministre de Mitterrand, ça c'était de l'enrichissement personnel, à qui on avait chargé un budget de 80 millions de francs pour promouvoir un sommet dans un pays africain. Et en fait, il fallait inviter quasiment tous les dirigeants africains à Bamako, il me semble. Et il a vu que le budget de 80 millions de francs n'était juste pas suffisant pour créer des infrastructures dignes d'un sommet pareil en Afrique. Donc il a décidé de s'acheter un yacht, et un château à sa femme, et un autre yacht. Et bref, c'était du détournement de fonds extrêmement caractérisé, mais l'amnistie est tombée. Poum. Bref. Donc c'était une amnistie absolue. Heureusement, il va quand même y avoir quelques années plus tard le juge Renaud Van Ruynbeck qui va voir réapparaître Urba alors qu'il enquête sur une affaire de marché public au Mans et qui va quand même ordonner des perquisitions au PS, ce qui va aboutir à la condamnation d'Henri Emmanuelli en 92. Henri Emmanuelli qui a un peu pour le coup payé pour un système parce que ouais, c'est un peu comme très organisé. Ouais. C'est un peu comme Juppé avec les HLM de la ville de Paris. Enfin, c'était clairement pas le seul responsable, mais oui. Mais globalement, toutes ces affaires, à droite comme à gauche, ont pas tellement été jugées à cause de ces multiples lois d'amnistie et de la quasi-impossibilité d'enquêter. Comme c'est des gens au pouvoir sur lesquels on enquête, les juges peuvent être dessaisis de l'affaire, mutés à Tahiti, le parquet peut être nommé ailleurs. Enfin, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites. Alors malgré tout, ces lois restent hyper polémiques. Encore maintenant, par exemple la page Wikipédia de l'affaire Urba combine conflit de neutralité et guerre éditoriale, controverse de neutralité et guerre éditoriale. Il y a une citation, un morceau du texte qui résume bien ça. C'est « Le PS a fait le choix d'un système centralisé de raquettes, d'extorsion, de fonds, de corruption et de fausses factures. » Donc ça, c'est pour la controverse de neutralité. Enfin, un article de Wikipédia, ça doit être relativement neutre et... sur un ton encyclopédique, ça c'est clairement pas un ton encyclopédique. Et puis la phrase continue: pour augmenter ses ressources et réduire l'écart avec la droite qui disposait de son propre système de financement illégal. Et ça c'est la guerre éditoriale où tu sens bien que c'est pas la même personne qui a rédigé le début de la phrase et la fin de la phrase et que le but consistait à justifier, adoucir un peu l'autre partie de la phrase. Le tout avec accusation mutuelle d'aide d'extrême droite, le flic qui a mené l'enquête et d'ailleurs pas mal parti en couille dans la mesure où il a rédigé l'introduction, la préface merci, d'un livre du père de Marion Maréchal Le Pen. Bon bref, il a un petit peu dans les commentaires c'est une bagarre constante, tout le monde s'accuse d'être d'extrême droite, de part et d'autre, enfin voilà. Et les justifications tournent toujours autour de c'était pire de l'autre côté. Alors voyons un petit peu ça. Adrien a déjà parlé du SAC, mais officiellement, le SAC a été dissous en 82 avec l'alternance. Donc, et officiellement, c'était un peu un épiphénomène. Voilà. Donc, voyons un petit peu ce qu'il y a eu d'autre comme affaire politico-financière un peu à l'époque. Alors, on ne va pas du tout être exhaustif. Hein. Ah non, il y en a trop en France. Il y en a trop. Mais il y en a quelques-unes qu'on a sélectionnées, disons. Alors, bon, déjà pour montrer que ça remonte à loin, déjà à l'époque du Général, ou presque, en fait sous Pompidou, en 1971, donc pas mal de temps avant, hein, presque 20 ans, il y a l'affaire de la garantie foncière. Donc ça, c'est un député gaulliste qui va mettre en place un système de pyramide de Ponzi. Alors, c'est pas vraiment du financement de partis politiques, mais on est dans la grosse arnaque, et ça va donner l'occasion à Michel Poniatowski, un ministre et proche de Valérie Giscard d'Estaing, de s'en prendre à la République des coquins et des copains et des coquins. La phrase va pas mal rester, et elle ressort régulièrement pour dénoncer ce genre de choses. Et la fameuse chanson d'Henri Salvador aussi. Un petit peu plus tard, il y a le suicide de René Lucet, de 2 balles successives dans la tête, chacune ayant entraîné la mort. Oui. Alors René Lucet, on est plus dans du financement illégal de syndicats. Sur détournement de fonds à la caisse primaire d'assurance maladie. Exactement, donc dans le sud de la France, il y avait un département, je pense que c'est... Je crois que c'est la région marseillaise. Oui, je pense aussi. Les Bouches-du-Rhône, où il y avait une exemption dans la mesure où la sécurité sociale ne gérait pas elle-même les remboursements, etc. Elle déléguait ça complètement aux mutuelles locales qui géraient ça pour elle contre une petite commission qui était en gros reversée à la CGT. Et ce mec va être bombardé à l'époque par la droite pour assainir les finances. Assainir les finances. La personne, alors c'est pas répréhensible, mais on va le voir se balader avec un joli costume rayé et 4 chauffeurs très baraques qui ne vont pas le quitter d'un œil. Le tout en interagissant avec son ami, comment il s'appelle donc, l'ami de Gaston Deferre. Antoine Guérini, le fameux Antoine. Encore merci Yassir. Encore merci Yassir, ouais. En interaction avec le fameux Antoine Guérini, auquel d'ailleurs il va acheter pour une bouchée de pain une villa. Donc la méthode officielle de ne pas faire un cadeau, d'acheter en dessous de la valeur. Donc pareil, son meurtre, on va pas y revenir en détail dans la mesure où ça reste relativement mystérieux, c'est assez compliqué de savoir ce qui s'est passé. On est dans une guerre FO-CGT d'un côté, le SAC est peut-être mêlé à tout ça de manière indirecte. Ou peut-être est-ce véritablement un suicide. Déjà on parlait de 2 balles qui seraient parties successivement, mais ça colle pas vraiment à l'analyse balistique, qui seraient parties en même temps du canon du pistolet. Mais en tout cas, c'est un exemple de personne qui n'est pas rentrée dans un platane, mais qui venait de se faire virer suite à l'alternance, et qui était en train de... qui avait dit bien fort « Je vais aller à Paris et on va voir ce qu'on va voir. Je sais des choses. » C'est assez peu prudent, en fait. Ce qui était pas très prudent à cette époque. Justement, d'ailleurs, je vais en venir, l'affaire de Robert Boulin, le suicide de Robert Boulin, ministre du budget de Valérie Giscard d'Estaing, et qui à l'époque était premier ministrable, et en fait qui s'est mangé une boule puante comme la droite sait très bien le faire. C'était un membre du RPR. C'était un membre du RPR. Le RPR sait très bien, particulièrement la faction chiracienne, sait très bien quand quelqu'un devient un peu gênant politiquement dans son propre camp, contacter le Canard Enchaîné avec des dossiers. On est à une époque où la faction chiracienne, c'est Pasqua, ce genre de personnes qui sont un peu éloignées de Chirac par la suite. Robert Boulin... se fait, donc on révèle qu'il a acheté très en dessous de sa valeur et avec probablement rétrocommission un terrain dans la commune de Ramatuelle. Le scandale est assez fort, il le prend mal, il commence à dire publiquement que c'est un coup monté, qu'il sait d'où ça vient et que ceux qui ont des choses à se reprocher n'ont qu'à bien se tenir. Il fait des déclarations extrêmement violentes. On est, comme je le rappelle, dans la phase de la fin du SAC, au moment où les gangsters dans le SAC sont à son plus haut niveau de nervosité. Et il va être retrouvé suicidé dans un étang avec 50 cm noyé dans un étang avec 50 cm d'eau après avoir pris un Valium et avec des traces de coups au visage et des marques de menottes sur les bras. Du coup, c'est clair, il s'est fait tuer par le SAC. Alors c'est compliqué. L'enquête est encore ouverte, encore aujourd'hui. Il y a beaucoup d'éléments qui disent que ce n'est pas un suicide, mais il y a aussi beaucoup... En fait, l'affaire a été tellement publique et il n'y a pas eu de volonté centrale de pourrir l'enquête. Il y a aussi beaucoup d'éléments qui attestent de l'hypothèse d'un suicide. Il a écrit de multiples lettres de suicide indiquant son envie de mettre fin à ses jours. Il les a écrites à un moment où il n'était pas enlevé, où il y avait encore des témoins qui l'ont vu après, donc il n'avait pas un canon sur la tempe. Il les a envoyés à des amis personnels à lui, à des journaux amis personnels qui ont pu attester de ce que c'était son écriture, pas un truc tapé à la machine, hein, vraiment son écriture personnelle. On a retrouvé son brouillon, il y a des doutes sur le brouillon, mais il y en a toujours. Et il a indiqué... Il y a des doutes, mais il a indiqué l'endroit où il voulait se suicider et il a indiqué la méthode par laquelle il voulait se suicider. Donc, c'est assez convaincant quand même. C'est assez convaincant. Ensuite, effectivement, l'autopsie a été un peu foireuse. Il y a eu, en fait, officiellement, ça ressemblait tellement à un suicide, on n'a pas poussé l'autopsie très loin. Mais les prélèvements de ses poumons qui auraient pu permettre de savoir s'il était mort noyé ou pas ont disparu dans le coffre des scellés de la magistrature. Ça arrive, hein, mais bon, je veux dire, à l'époque, ça n'arrivait tellement jamais qu'il n'y avait même pas de cadenas sur ce placard, donc ils en ont fait rajouter un après. Il y a de nombreuses traces de son autopsie qui laissent penser qu'il était mort ailleurs et qu'il a été déplacé. Personnellement, si je devais faire une hypothèse, je suis en pure spéculation, je dirais qu'il a probablement été intercepté par un commando du SAC alors qu'il se rendait sur son lieu de suicide. Commando du SAC dû au fait qu'il avait fait des déclarations très imprudentes et que tout le RPR était terrifié à l'idée d'un nouveau scandale à ce moment-là et de choses qu'il pourrait révéler. Il a probablement été battu pour qu'on tente de le faire parler. Il est probablement mort lors d'un interrogatoire musclé et du coup, il a probablement été mis à l'endroit où il avait prévu de se suicider. Ce qui, je veux dire, il y a eu tellement de réactions en mode poulet sans tête, de panique générale autour de cette mort qui me fait dire que c'était pas quelque chose de voulu centralement. Il y a aussi une rumeur autour d'une pochette de documents qui aurait été ou pas dans sa voiture et retrouvée vide, ce qui pourrait corroborer un truc genre il voulait se suicider mais en révélant des trucs. Tout le monde s'est tiré dans les pattes pendant l'enquête, à mon avis, parce que les multiples services se soupçonnaient mutuellement d'être responsables de ce meurtre. Donc, bref, mais c'est de la pure spéculation de ma part. Hein. Non, mais je comprends bien. Pour en terminant là-dessus, à une échelle plus locale, il y a eu, dans le contexte de la guerre interne au RPR, il y a eu aussi l'affaire Beton. Alors, c'est une affaire de trafic d'influence et d'abus de biens sociaux dans le cadre de l'élection de Michel Noir à la mairie de Lyon. On l'a oublié, Michel Noir. On l'a oublié, entre autres, à cause de cette affaire, en fait. Oui. Un petit peu mis un terme à sa carrière politique. Tout à fait. Affaire qui va, entre autres, impliquer Patrick Poivre d'Arvor et donc son gendre, qui était aussi RPR, mais qui faisait partie d'une autre faction au sein du RPR. Et voilà. Après ça, il va y avoir deux autres lois de moralisation, ça va donner lieu à deux autres lois de moralisation. La loi du 29 janvier 1993, où le gouvernement socialiste va vouloir justement mettre un terme à ces dons de personnes morales à des partis politiques. Oui. Ils vont pas réussir. Ils vont pas réussir. Le Parlement va le pas... gouvernement était pour, mais ouais, le Parlement était contre. Voilà. Faut dire, du coup, bah, va pas y avoir grand chose dans cette loi-là. Dans cette loi-là, va y avoir des comptes de campagne annuels des partis politiques qui vont devoir être gérés de manière soumis, un petit peu plus voilà, carrée, soumis, avec une liste des entreprises qui leur ont donné de l'argent, ce genre de choses, des plafonnements qui vont être un peu plus stricts, mais ça va pas changer grand-chose. Et il va falloir attendre le 19 janvier 1995 pour que Philippe Seguin... la droite, donc. La droite, donc. Tout à fait. Avant l'élection de 1995, propose d'interdire véritablement les dons des personnes morales aux partis politiques. L'interdiction vise toutes les personnes morales autres que les partis politiques, les entreprises, les associations, les fondations, les syndicats ou les collectivités locales. Ce qui va permettre la fameuse entourloupe qui fonctionne encore aujourd'hui, de chaque candidat fonde son propre micro-parti politique qui permet de ensuite rediriger des fonds en plus. Exactement. Et je remarque un petit truc, donc on est à la veille de l'élection de 1995. Petite remarque avant. Philippe Seguin, qui est un proche de Chirac, cherche à avoir une élection propre. Il y a quelqu'un d'autre à cette époque qui n'a pas vraiment de parti politique, qui est Premier ministre, qui se dirige vers qui cherche des financements. Oui. Bon. Je dis ça, je dis rien. Et surtout, Philippe Seguin passe cette loi. Enfin, je veux dire, cette loi passe par la droite, mais un tout petit peu contrainte et forcée, parce que il y avait eu quand même 3 démissions coup sur coup pour scandale politico-financier vraiment sale. Alain Carignon, Gérard Longuet et Michel Roussin. Pourquoi d'ailleurs Gérard Longuet? Gérard Longuet, je me souviens plus. Alors là, je crois que tu avais regardé tout à l'heure. J'ai regardé Alain Carignon. Carignon, c'était rigolo. Il avait, juste avant son élection, il avait fondé 2 journaux mode publication luxe, totalement dévoués à faire sa promo. Et juste après son élection, il les a déclarés en faillite avec 10 millions de passifs. Et c'est la Générale des Eaux. La Générale des Eaux, un des très très grands financeurs de la vie politique, tellement qu'on le surnommait l'arroseur municipal. Hein. Pendant longtemps, le premier employeur en France d'enfants et femmes de député, je dis femme parce que la parité n'était pas encore passée, hein, et donc a racheté le journal avec ses dettes, ce qui donc un don déguisé de 10 millions d'euros. Ou francs, je ne sais plus. Après, il y a eu l'Assemblée nationale avec ce nom. Bon, voilà. Pardon. Et donc, oui, on va se diriger vers forcément l'élection de 95 qui sera la plus propre de tous les temps. Exactement. Exactement. Mais petite conclusion, donc du coup, pourquoi... Mais ça, on vous en parlera dans H Critique proprement dit à la rentrée. Exactement. J'espère que vous êtes prêts. Affaire Karachi. Clearstream. Alors, pourquoi est-ce que finalement aussi peu de ces enquêtes ont abouti à des condamnations? Bah, les multiples lois d'amnistie, les enquêtes prennent très longtemps. Il y a souvent des personnages centraux qui reçoivent l'immunité, mais les condamnations finissent par arriver. Hein. Ouais, c'est clair. Est-ce qu'on peut dire que l'affaire la plus grosse est quand même en fait du côté de la gauche, avec l'affaire Urba, qui était un système... alors les autres ont l'air beaucoup plus crapuleux, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mort, c'est clean Urba par rapport au SAC. C'est ça, c'était... on a chargé des honnêtes hommes de faire... On a chargé des honnêtes hommes de faire une besogne malhonnête, en fait, Urba. Ouais. Je crois que quelqu'un a dit... Ils ont tenté de moraliser l'immoral. Bah ouais, je pense que c'est un peu ça. C'est-à-dire que pourquoi est-ce que cette affaire était tellement grosse en termes de volume financier par rapport aux autres, où les autres, les chiffres sont généralement flous. En fait, on les a pas. Mais il est vraisemblable que pas mal des affaires qu'on a citées sont plus petites en termes de sommes d'argent. Oui. Bah parce que... Bah parce que sans doute parce que le Parti Socialiste a décidé de centraliser tout ça. Il était beaucoup plus uni, le Parti Socialiste. Et ils étaient beaucoup plus unis que la droite, qui était pas mal divisée. Alors pourquoi centraliser tout ça? Bah pour des questions, pour éviter ce que Laurent Geoffrin appelle l'évaporation. Parce que le 92, qui a été la pompe à fric centrale de la droite pendant très longtemps, tout le monde se servait à tous les étages quand il y avait des rétrocommissions, quand il y avait des emplois fictifs. Oui, d'ailleurs, t'en as pas trop parlé du 92. J'en parlerai dans un instant. Oui, alors le 92 et le financement du 92, c'est sans doute quelque chose... C'est ce qui peut se ressembler le plus à Urba. Plus à Urba. J'y viens quand t'as fini. C'est peut-être même plus volumineux encore. Mais, je pense que... Il y a eu une archive centralisée aussi. Je te laisse parler du 92 et puis on fera une conclusion générale. Le 92, c'est vraiment ce qui va ressembler le plus, à mon sens, à Urba. C'était un département qui a été limite créé par Pasqua, Secaldi, Balkany, enfin tout un tas de noms qui ressortiront. Ce clan, c'était le département qui avait le plus d'usines de voitures à l'époque. C'était une manne finance. Donc ils ont décidé de l'organiser. Ils ont créé le quartier d'affaires de la Défense. Ils ont construit des HLM en masse, histoire qu'il y ait une main d'œuvre pour les ateliers de voitures. Ils se sont arrangés pour que la majorité des HLM se construisent à un seul endroit, pour qu'il y ait un gros fort de gauche communiste et plein de places fortes de la droite. Ce qui leur permettait d'avoir le département ou la région. De contrôler le département et la région. Et le département surtout en fait. Ouais. Et on a vu beaucoup de... Et donc dans le 92, les constructions se faisaient par... on a attrapé beaucoup de pactes de corruption. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est quoi le principe d'un pacte de corruption? En gros, quand ça devient un peu trop évident que quand on fait un appel d'offres public, si on accorde le marché à un gars qui est 30% plus cher que les autres parce qu'il nous donne des rétrocommissions, ça se voit. Donc, ce qui est beaucoup plus efficace et pour que tout le monde s'enrichisse, on taille le marché pour qu'il y ait seulement 3 ou 4 entreprises complices qui puissent faire une offre pour le marché. Les 4 se mettent d'accord pour qu'il y en ait 3 qui soit à un prix assez élevé et un quatrième à un prix un peu plus bas. Donc le quatrième, c'est son tour, on lui donne le marché, il donne une rétrocommission et au tour suivant, ce sera un autre qui fera une offre un peu plus basse. Et ça permet de dissimuler beaucoup plus longtemps l'organisation des rétrocommissions. Voilà, y a eu beaucoup d'emplois fictifs et en fait, on accorde un marché public à une entreprise. En échange, elle engage 4 ou 5 personnes qui vont travailler à un QG de parti politique et le parti politique n'a pas à les rémunérer. Le truc, quand tu parlais d'évaporation, c'est par exemple Balkany qui, lui, les emplois fictifs, c'était ses employés de maison. Alors, ils étaient censés être rémunérés par je ne sais plus quelle grande entreprise de travaux publics. Et en fait, non, ils venaient nettoyer chez lui. Ça s'évapore, puis ça ruisselle. Ça fait des villas. Voilà. Et donc, c'est un des problèmes. Ouais. Et c'est ce qui ressemble... En fait, l'organisation du 92, ce qui va ressembler le plus à l'affaire Urba. Je pense aussi. Dernier truc, ce que dit toujours Laurent Geoffrin là-dessus, l'affaire Urba, donc il y avait pour lui, et je pense pour moi aussi, la volonté de mettre en place un système de financement immoral moral, de financement occulte moral, d'où cette volonté de centraliser, et sans doute d'où le choix d'Emmanueli, le choix des différentes personnes qui ont qui sont intervenus dans ce système, le choix de gens comme Delacroix qui notaient tout sur des petits carnets, qui étaient des gens plutôt particulièrement honnêtes, justement pour éviter l'évaporation, ce genre de choses. D'où un petit peu la frustration de certains hiérarques du Parti Socialiste, bon, ce qui n'empêche que c'était quand même parfaitement illégal. Et assez sale. Alors, voilà, pour conclure, là on est un petit peu dans du conspirationnisme quasiment, non? Et moi je trouve que non. En fait, le conspirationnisme se nourrit de flou. Je veux dire, ce qu'il faut bien dire, c'est que les lois de moralisation de la vie politique ont eu un effet. Jacques Chirac avec les HLM, il a fini par être condamné. Didier, le 92, il y a eu des condamnations, il y a eu beaucoup de gens qui s'en sont sortis, mais le Urba, ils n'ont pas pu être condamnés, mais tout s'est su, et globalement, oui, ce qu'il faut bien retenir, c'est les choses se savent, les journalistes les apprennent, les journalistes les... Ouais, et aussi, bon... Urba est un petit cas à part dans la mesure où, pour le coup, c'était centralisé, mais souvent, c'est vraiment l'affaire de bras cassés, ce genre de choses. Les vraies conspirations, ce qui apparaît, c'est que, général, bras cassés, le terme est mal choisi, mais qu'il y a toujours des erreurs à un niveau ou à un autre, même si les personnes sont intelligentes. Des erreurs extrêmement bêtes, souvent. Des erreurs extrêmement bêtes. On parlait de Claude Guéant. Oui, Claude Guéant et ses billets, ses pièces de 500 € dans les... Et là, qui a passé 10 ans sans tirer un sou de son compte en banque, qui est entièrement liquide et qui est incapable de le justifier. Exactement. Comme un balai, quoi. Tout ça laisse des traces et généralement vachement plus simple que le conspirationnisme que on va généralement voir des trucs avec mondiaux, une grande organisation secrète qui manipule les gens pour faire je ne sais trop quoi. Et globalement, la situation s'améliore. Je pense aussi. Oui. Alors même si c'est vrai qu'on verra dans 10 ans, quoi. On verra dans 10 ans, et ça on va pas mal le voir dans notre prochain épisode d'Âge Critique. Je veux dire, la période Sarkozy est quand même sacrément glauque. Parce que je sais pas si le financement des campagnes de Sarkozy et surtout de la première, je sais pas si on peut dire que c'est une amélioration, ça. On peut pas dire, mais à côté, les campagnes de députés sont maintenant sont beaucoup moins. Je veux dire, les gens se font prendre. Les campagnes locales, il y a une amélioration un peu à tous les niveaux. Maintenant, c'est le président, quoi. Parce que quand je dis que le plus gros scandale, c'est l'affaire Urba, le plus gros scandale, c'est l'affaire Urba dans cette période. Oui, oui. L'affaire du financement libyen, ou l'attentat de Karachi, tout ça, c'est bien pire. Voilà. Alors, on a été très très content de passer ce moment avec vous. C'est clair. Alors, si jamais certains d'entre vous ont de dernières questions, n'hésitez pas. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. On attend notre livreur de nourriture de toute façon, donc on est coincé ici un moment. Exactement. Merci à Rick, à Yassir, à Paul. On a beaucoup apprécié vos interventions. Exactement, et merci d'avoir été là. On est encore en train d'apprendre à maîtriser ce format et c'est vraiment sympa de pouvoir le faire. C'est clair. Si jamais vous avez des remarques sur, je sais pas, le son, la manière dont on s'est organisé, n'hésitez pas. Si jamais vous trouvez désagréable ma main qui bouge tout le temps comme ça, moi-même j'ai eu le feedback visuel et je me suis rendu compte que ça peut être relativement énervant. Oui. Là il a coupé en fait le feedback visuel juste pour se sentir libre de continuer à le faire. Exactement. Merci, je vous vois. Merci David. Ouais. Du coup, on revient à la rentrée pour un Âge Critique avec tout le monde où on va vous parler donc de Clearstream et de Karachi. Plus en profondeur que ce qu'on a fait, parce que là on a un peu survolé beaucoup de choses. Carrément, ouais. Est-ce que le prochain épisode d'Âge Critique sera sur Spotify, David, toi qui es notre webmaster? Alors, Spotify, j'essaye... Alors, là, pour le coup, je ne sais pas du tout ce qu'il en est à l'heure actuelle. Je vous explique. Spotify et Deezer permettent de mettre des podcasts, mais si je ne dis pas de bêtises... Et je l'ai fait, j'ai fait le système, j'aurais envoyé le lien du flux RSS, mais si jamais il n'y a pas de podcast, si jamais ils détectent que pendant une période d'1 mois, on ne publie rien, ils enlèvent le flux. Or, on est un podcast mensuel. Mais... Donc, j'ai peur qu'assez souvent, on soit On dépasse d'un jour ou ce genre de choses. Donc je ne sais même pas si H Critique est toujours sur Spotify. Par contre, je peux le remettre, mais je vous promets pas que ça durera. Alors, faire un podcast sur cette thématique pour chaque décennie pour rentrer dans les détails. C'est une assez bonne idée. Pas mal, hein, je serais assez motivé. Je pense que, en fait, une fois qu'on aura fini Karachi et Clearstream, on pourrait faire un petit truc de complément entre l'émission. Ouais, c'est une bonne idée. On est a priori chaud. Alors, je ne... Eh ben, on est... oui, est-ce que ce sera un live à la rentrée? Alors, ce sera pas un live à la rentrée. C'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail. C'est assez fatigant. Là, on monte pas, mais on est vraiment en train de transpirer parce qu'il fait chaud. Exactement, même s'il fera un peu moins chaud à la rentrée. Oui, mais les spots de lumière pour qu'on soit beau. Exactement. Mais a priori, on va plutôt aller vers ce genre de live pour que... Bah, ceux qui soient le plus motivés pour faire des lives puissent en faire sans nécessairement impliquer tout le monde. Ça nécessite beaucoup moins d'organisation logistique de faire venir 5 personnes en live. Voilà, et puis aussi ça nous permet d'être sur le canapé, ce qui est plus confortable un peu pour nous, je pense. Tu pourrais prendre un meilleur canapé, hein, mais c'est honnête. J'avoue. On est mieux chez Cyprien. Hein. Ok, monsieur fréquente des gens du grand monde. Non, pas du tout, mais bon, j'ai le droit de même dropper. Mais surtout, je pense que c'est peut-être plus agréable aussi pour vous, visuellement parlant, de nous avoir tous les deux sur le canapé plutôt que le dispositif avec les 3 caméras où on voit la moitié de mon visage, le coude de Maud et le pied d'Adrien. On n'a pas le studio de Radio France pour faire des vidéos. Hein, ce canapé va devenir culte, j'espère, j'espère. Alors, tu l'as trouvé dans quelle poubelle exactement? Je ne te permets pas, c'est un cadeau de ma tante. Bon, d'accord, je retire. Oui, non, si c'était un cadeau, je m'excuse profondément. Tu vas ouvrir un Tipeee pour un nouveau canapé. Je recommande. On verra, on verra. J'ai pas de projet dans ce sens pour le moment. Mais en tout cas, c'est cool. Un coin de rue. C'est cool de voir tous ces feedbacks là. Ouais. On est très contents. Et ben, merci beaucoup. Ouais, as-tu des petits coups de cœur rapidement? J'ai rien préparé niveau coup de cœur. Je me rends compte que j'ai même pas mis le générique d'H Critique en début d'émission. Ouais, je me posais la question, mais je me disais que tu avais sûrement une bonne raison, mais en fait on l'a oublié. Non, j'ai complètement oublié. Je suis désolé. Et ben en tout cas, c'était super sympa. À la prochaine. C'est clair. Bye bye. Ciao, ciao, ciao. Générique à la bouche. Poum pam 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 poum.